Hey, what's up? Nouvel épisode de France TV. Come on! Épisode 22, on est le 11 septembre, vendredi le 11 septembre. La veille de ma fête. Bonne fête, Anna! Bonne fête, Anna! Bonne fête, Anna! Merci pour tout ce que tu fais pour Influence, pour Marie-Lou, pour moi, t'es une amie extraordinaire. On est content d'avoir dans la vie. Oh, merci. Come on! I love it! Là, je dis tout le monde, bonne fête, come on, on vous voit dans les commentaires. Yes, sir. Come on! Oh, wow, ok. Là, on est aujourd'hui, on est vendredi. Donc, on fait l'épisode. Ouais. Après, party, tout le monde chez Anna. Come on up! On a déjà eu la chance de l'avoir à l'émission pour une entrevue que Anna avait fait. Yes. Pour ceux qui ne se rappellent pas, vous pouvez aller voir dans les anciens épisodes d'Influence TV qui nous avait parlé de sa musique. Mais là, cette semaine, je vais vous donner un conseil de futur aussi. Comment? On a déjà écouté ça. Drop la sagesse. Après, on y va avec un beat de la semaine. Oh. Carlos, CG The Building. Yes. On va faire un petit beat. He's back. On va prendre le temps d'écouter. On commence tout de suite. Challenge. Oh. Allez. Jeu. Yeah. Qui va gagner? Oh. Qui va perdre? Oh. Qui va faire la conséquence? J'ai hâte que vous voyez parce qu'il y a un nouveau concept de conséquence. On va commencer. Yes! Let's go! J'adore ça. On va voir ça? J'adore ça. Est-ce qu'on commence ça maintenant? On va commencer à là. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aliya et... Moi c'est Jules, ouais c'est bon. Bon, fait que vous savez, aujourd'hui on a un nouveau défi qui est quand même un petit peu compliqué. Mais écrivez dans les commentaires Team Aliya, d'accord? Donc là, le défi c'est qu'il y a des crayons comme ça qu'on va devoir mettre sur notre main comme ça. Puis qu'on va devoir l'attraper, puis il y en a 12 qu'on va devoir attraper en tout. Donc écrivez encore dans les commentaires Team Aliya. Team J. 3, 2, 1, go! Malheureusement, oui, Aliya, come on! T'as perdu. Donc ici, on a la roulette de la conséquence.
Donc, allez, on va prendre le temps de rouler. On va me dire stop, je vais arrêter. Et celui qui va tomber juste ici, ben, ça va être la conséquence qu'il va devoir faire maintenant. Comment tu te sens? Je sais pas. Roule quand t'es prête. Ok. Stop. Maman. Qu'est-ce que t'es écrit? Sur bonne bûche. Wouh! C'est très simple dans le fond. C'est passé quoi? Aléa va devoir faire la chaise au mur pendant une minute. Ah, c'est correct. C'est correct? Donc, on vous revient dans quelques secondes. On fait ça maintenant. C'est bon. C'est parti. 3, 2, 1, go! Allez, on l'encourage dans les commentaires. Come on, come on, come on! Ah là là! 10 secondes! C'est pas vrai, ça! C'est vrai? Ouais. C'est pas vrai. 15 secondes! J'ai dit que c'était correct. J'ai dit. T'as vraiment posé? Combien de secondes, là? 30 secondes! Come on, come on, come on! 25, 24! 52. Ça va aller! Ouais, ça. C'est correct! Il reste 20 secondes! Come on, come on! Ok, ok! Ça commence à faire un petit peu mal, mais non, ça va? Non, écris dans les commentaires, reste par terre, reste non, par terre. Non, let's go, Alia! Ouais. 10 secondes! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Hey, nous, on a décidé de soutenir Aléa à la tête de son mur. Malheureusement, elle n'a pas réussi. Elle a eu de faire la conséquence. Fait que nous, on fait la conséquence avec elle. Let's go, team. Let's go, team. Donc, là, on s'en va avec le prochain segment. Conseil du futur. Vinny a préparé quelque chose pour vous. Un conseil du futur. On prend le temps d'écouter ça. On prend le temps d'écouter, prendre des notes. Parce que ce qu'il veut vous dire, ça peut vraiment vous aider. On écoute ça là, là. Parce que je sens que Anna commence à stresser parce qu'elle a mal. Moi, je pense que c'est lui. Moi, je suis bien. Là, I'm good. Bien, I'm good. Je suis good aussi. Là. T'es prêt? T'es come prêt? On. Come on. Oh! Come on! Donc, bonjour à tous, mon nom c'est Vinny, je suis leader du réseau 1825. J'ai 22 ans, donc c'est un honneur pour moi d'être invité ici à Influence TV. Donc, je vais vous apporter un petit quelque chose, un petit message concernant les jeunes qui sont secondaires pour les 13-17 ans. Donc, on m'a posé la question si je pouvais me donner un conseil à moi-même quand j'étais plus jeune au secondaire, qu'est-ce qui serait utile? Je pense que un des conseils que je me serais donné, ça serait d'être moi-même. Pourquoi? Parce que étant plus jeune, des fois on est encore en quête d'identité, on sait pas vraiment qui on est, on cherche des clics à gauche, à droite, on commence à faire des choses que peut-être selon nos valeurs, ça rentre pas trop dans nos valeurs, hein, on s'entend. Donc moi étant jeune, quand j'étais au secondaire, je me rappelle que secondaire 1, secondaire 2, j'étais vraiment dans cette quête de savoir avec qui traîner. En plus, je joue au basket, fait que je traînais avec des gars de basket. Mais des fois, les gars de basket faisaient des trucs que j'étais comme est-ce que je devrais vraiment être là, tu vois? Mais un conseil que je peux donner vraiment, c'est en fait, sois toi-même et sois vraiment la personne que Dieu t'appelle à être. Comme ça, ça va faire la différence dans ton entourage. Et de savoir que les vraies personnes qui doivent être autour de toi, c'est les personnes que tu vas attirer en étant toi-même, tu vois? Donc, cherche pas à nécessairement fit dans un groupe, un certain type de groupe, parce que ça va t'amener des fois à faire des choses que toi, de tes propres valeurs, tu ne ferais jamais. Donc, une chose que je peux te conseiller, c'est sois toi-même, les personnes qui t'aiment vraiment vont être autour de toi, les personnes qui doivent rester autour de toi, elles vont venir, mais tout en étant toi-même, en restant ancré et en ayant les bonnes valeurs que tu donnes. Donc, ça serait un conseil que je me suis donné à moi-même, étant plus jeune. Allez, merci, hein. One love. One love. La sagesse des bons sons qui sortent de ta bouche. Let's go! Let's go! Love you, brother. I love you, man.
Merci beaucoup, j'espère que vous avez pris les notes. Prenez le temps d'appliquer ça dans vos vies, je vous dis que ça va vous aider. C'est ça. Come on! On continue avec CG in the building. Oh, let's go! Come on! Il est pas in the building, actually. Actually. Il est en train de sa vidéo dehors, il faisait beau quand il a pris le temps d'enregistrer ça. Fait qu'on l'accompagne dehors pour un nouveau beat qu'on rajoute à la playlist. Come on! On écoute ça. Light! What's up guys, it's your boy CG, in the church, actually, I'm in the church, glory to God, enfin, merci Seigneur, et je suis ici pour vous présenter le beat de la semaine, et l'artiste que je vais vous présenter, c'est le même artiste dont je vous ai présenté, je ne me rappelle plus c'est dans quel épisode, mais c'est l'artiste dont je vous ai présenté pour la première fois que je fais de l'épisode, oui, KB man. Pourquoi? Parce que KB récemment, il a sorti un nouveau beat et ce beat-là s'appelle 10K. 10K pour 10 000. Et de quoi ça parle le beat? Ben, ça parle en fait que le beat en fait est la référence du worship de Matt Redman, 10,000 Reasons. Alors de base, le rap que KB a donné en fait, c'est un genre de worship rap. Et ce worship rap, il est vraiment terrible, guys. Il y a un bon vibe. Tu peux même danser dedans. So, guys, so pour tous mes danseurs ou danseuses, si vous dansez, go dance in the beat. Et j'ai vu aussi qu'ils ont commencé à faire un gros mouvement de TikTok avec le beat. So, si vous êtes sous de danser, go for it, man. Pourquoi? Parce que yo, c'est lit. Le beat a un bon vibe. Mais j'aimerais juste vraiment vous donner un message pour le beat. De quoi ça parle? Ça parle en fait que on a 10 000 raisons pourquoi qu'on peut dire que Dieu est bon. Mais en fait, on a plus que ça. Et c'est un signe de reconnaissance en disant que waouh, Dieu, Seigneur, tu es réellement bon. Je suis libre, je peux danser, je peux faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Seigneur, tu me rends libre. Et pourquoi tu me rends libre? Parce que moi, j'ai confiance en toi. Parce que ma vie t'appartient. Et c'est là où qu'on peut trouver la vraie joie. Pourquoi? Parce que la vraie joie vient de Dieu. La parole a dit que Jésus nous donne la paix, pas comme la paix que le monde nous donne, mais que Dieu nous donne. Et la parole dit aussi que la joie de l'Éternel est ma force. So guys, whatever happened, worship the Lord, go hard for Jesus, but yo, enjoy the beat. Pourquoi? Parce que le beat est massif, il y a un bon vibe. 10K, you know what it is, man. So yo, check out KB. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas KB, mais KB, c'est le genre de rappeur que c'est à travers la musique il a connu Jésus. C'est à travers la musique dont il a su c'est quoi réellement son appel. So guys, Dieu peut te parler d'une façon que tu peux même pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu et Dieu a tout créé. So guys, go check out KB 10K. The vibe of KB is another level. And yo, Youngies, Influence, God bless. Et je vous présente live le beat de la semaine de KB 10K. There it is. Come on! Hey, on rajoute le beat à la playlist. Yes! Coucou Carlos. Chaque fois, on aime ça. Un nouveau beat à rajouter. CG. That's my fault. Merci beaucoup, CG. Hey, c'est tout pour aujourd'hui? C'est fini. Good. Prends le temps d'aimer la vidéo d'aujourd'hui. Toujours. Prends le temps de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Toujours. Prends le temps de partager à quelqu'un pour être certain de share, de love, de influence TV. That's it. À toi, ça va être fort. What's that us? Yeah, what's come on! Ça, on vous a plus de temps dans mon frère. Ça fait du sens, le moment. Ça a du sens. Come on! Come on! Come on! Donc, nous, on peut se voir dimanche? Oui, on se voit dimanche, ça ne s'arrête pas ici. Alors, on se voit dimanche, on se fait un hebdomadaire avec notre cher Vincent. Et puis, voilà. Et sinon, on se voit quoi? Sinon, on se voit quoi? On se voit quand? La semaine prochaine? Hey, je m'appelle Stéphane Touin, je suis avec. Ah, non, Marcelo. Et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao! What's up tout le monde, juste une petite annonce spéciale à faire que
La semaine prochaine, il n'y aura pas d'Influence TV parce que c'est le webinaire pour les hommes qui va avoir lieu. Donc, tous les gars, vous êtes invités à participer vendredi prochain au webinaire des hommes. Prenez le temps d'aller vous inscrire sur le site internet de l'Église ou sur la nouvelle application de MCI Canada. Je vais être présent, tous les pasteurs de l'Église vont être présents, nos pasteurs seigneurs vont être là. Il y a un invité spécial qui va être là aussi. Et aussi, je prends le temps de te dire, je sais que, bon, quand on est jeune, on se dit, bon, un séminaire, un webinaire pour les hommes, là, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, là, je suis juste au secondaire. Ben, je tiens à te spécifier tout de suite que je vais faire un segment juste pour toi qui s'intitule « Comment être un homme quand on n'a pas encore l'âge ». Fait que prends le temps d'aller t'inscrire, prends le temps de dire que tu vas participer à ce segment-là. Je t'y attends, on va passer un super bon moment, ça va être incroyable. Donc, pas d'Influence TV la semaine prochaine parce que c'est le webinaire. That's the way it is! Les gars, on se voit vendredi prochain. Ciao!